2200 exemplaires des guides ALPC, armes légères et de petit calibre, et 200 registres sécurisés remis aux différents corps de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ces instruments, extraits d'une compilation élaborée par le Centre de vérification de l'armée allemande, serviront à mieux gérer les entrées et sorties des armes des armureries. Ces registres sécurisés et guides visent d'une part le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur la prolifération et la classification des armes légères et de petit calibre et l'amélioration de la gestion de leur stock d'armes d'autre part. Les guides existent également en forme de banque de données électroniques et permettra à la langue à y collecter aussi les données de la Côte d'Ivoire pour une meilleure traçabilité de la prolifération des armes légères et de petit calibre dans ce pays. La Commission nationale de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre a déjà mis en place au sein de la police nationale un logiciel d'armes et de munitions. Ces guides permettront aux utilisateurs d'améliorer leurs connaissances sur les armes légères de petit calibre et leur qualification, mais également sur leur prolifération. Quant aux registres, ils viennent compléter les 680 qui ont été déjà distribués afin de renforcer et permettre l'enregistrement manuel des armes marquées par les forces dans les différents services. Cette remise de guides et de registres sécurisés aux forces de sécurité et de défense s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne, qui a mis des fonds à la disposition des projets appui à la justice, appui à la police et appui au Comnat dans le domaine de la paix et la sécurité.